Salut tout le monde, c'est Van Negobrixon, on se retrouve pour une nouvelle live construction concernant un set Lego Star Wars 2014, référence 75036. Le nom Utapo Trooper, acheté à 17€ à King Jouet, bon, plus exactement à 16,99€. Et donc voilà, donc vous voyez ici, donc on va commencer directement la live construction, donc la boîte. Les persos que je vais présenter à la fin. Ici, toutes les petites pièces pour ce petit pieuvre, on va dire. Voilà. Et bien sûr, la notice qui est assez petite. Hein. Voilà. Donc, on va virer la boîte et les personnages que je vais montrer à la fin, qui sont franchement exceptionnels pour moi. Donc, allez, c'est parti. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pièces. Hein. Mais bon, ça donne un résultat plutôt satisfaisant, puisque je m'attendais pas à un aussi grand engin. Parce que je pensais qu'il était beaucoup plus petit que ça. Donc alors, on commence avec une pièce nouvelle ou pas, je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire. En tout cas, j'ai jamais eu moi. Donc c'est une pièce, voilà, avec trois crans, voilà, friction. Et au milieu, une pièce, voilà, rond. Ouais. Sur les pièces à friction, on va mettre une pièce à friction, bien sûr. Nouvelle non plus, je sais pas. Peut-être, hein, vu que c'est un set 2014 en plus. Donc c'est un peu la même chose. Donc des frictions et un rond milieu. Donc on fait ça sur tous les bords. Hop. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Hop. Sur les frictions des pièces qu'on a mis là, on va mettre des pièces comme ceci. Des pièces qui sont connues, hein, c'est pas des nouvelles pièces. On les met comme ceci. Voilà, on fait ça x3. Et la troisième, voilà. Voilà. C'est bon. Ensuite, alors, je tourne la page. On va laisser ça de côté. On va prendre une barre. Voilà, une barre classique, une grise. Au bout de cette barre, un bout de cette barre, au bout de cette barre, on va mettre une pièce, alors 2x2 circulaire, baron. Sur cette pièce, on va mettre une pièce 2x2 aussi, en bonbonne, on va dire, bonbonne de gaz. Et donc, on va mettre au bout de la barre. Voilà, donc ça donne ça. Donc, ici, on va reprendre la pièce qu'on a construite au début, et donc, on va la mettre comme ceci. Donc ça se clipe pas, hein. Ça tourne déjà. Ici on va mettre une enjoliveur, voilà. Donc faut que ce côté-là soit en haut, voilà, comme ceci. Ah, c'est sûr, si je tiens pas. On recommence, hop. Et hop, là, je vais tenir en dessous. Alors, là on va prendre alors une hélice, je pense que c'est ça. Donc une hélice par contre à friction. Voilà, avec en forme de croix, hein, comme une croix de Jésus. Et donc on va mettre une pièce une fois deux, mais il y a juste une place une fois une avec un rond. Voilà. Donc on met ça sur tous les côtés. Hop. Hop. Et hop. Donc on met ça à la suite, hein, sur la barre. Donc alors, je sais pas s'il y a un côté de préférence. Ça va être comme ça. Hop, et donc voilà, ça tourne. On peut voir que ça... De toute façon, ça tourne, puisqu'il faut pour lancer les missiles, c'est mieux que ça tourne. Voilà. Et on remet une enjoliveur qu'on met du même côté, donc le côté sauvant des voitures en haut. Et donc on met une pièce nouvelle ou pas, je sais pas encore. Donc une pièce creux ici et qui ressort ici, voilà, avec 3, 6, 7, 7 trous, voilà. Donc on met le côté où c'est creux en haut. Et donc on le met comme ça, donc ça bouge aussi. Hop, pour ce temps. On va prendre une pièce, alors. Je peux pas comment dire ça, mais une pièce comme ceci, voilà. Donc il y a 8 crans dessus. Voilà. Sur cette pièce, on va mettre une pièce
2 fois 2 rond, marron, haut, avec un petit trou au milieu à friction. Et donc on met sur cette pièce. Et cette pièce-là, toute ronde, on la met en haut. Voilà. Donc la pièce 2 x 2, en fait, elle va être cachée, mais ça sert à bloquer, en fait. Sinon, tout tournerait et ce serait un peu galère. Donc là, elle va être cachée par une pièce nouvelle ou pas, je ne sais pas non plus. Désolée, hein, je ne me suis pas renseignée. Voilà, donc une pièce qui n'a pas de... Bah, on peut... Faut la... Oui, voilà. On met comme ça. Hop, voilà, donc ça cache la pièce 2 x 2. Ensuite, on va construire les trois pattes et il restera plus que ça et les missiles, bien sûr. Donc, alors, les trois pattes. Donc, on va faire x3. Donc, alors, bah, les trois pattes, on va les faire 3x3, c'est un peu logique. Donc, on va prendre une pièce, une fois deux, avec deux crochets. Sur cette pièce, on va mettre une pièce, une fois une, à friction, comme ceci. Hop, comme ça, on met au-dessus. On va prendre une longue pièce, donc une fois quatre. À friction, voilà, donc on la clip ici et on met une pièce une fois deux, pareil que l'autre sauf qu'elle est plus petite bien sûr. Hop, voilà, ça fait la pâte. Et maintenant on va s'occuper du décor de la pâte. Donc on prend une pièce une fois deux, sable, couleur sable un petit peu, voilà, la même couleur que l'embout en fait. Voilà, on va prendre une pièce une fois une circulaire grise, voilà, opaque, voilà, si elle vole c'est pas bon. Et vous prenez une pièce comme ceci, voilà, et vous mettez au deuxième cran. Ça fait genou. Donc on fait ça x3. Donc on va la plier après. Donc j'allais assez vite puisque c'est un peu chiant. Hop. Circulaire une fois deux et la pièce un petit peu bizarre et de deux et la dernière. Hop, non, fait comme ça c'est pas bon. La pièce circulaire et enfin la pièce bizarroïde. Donc ça y est, on arrive à la fin. Donc là, on va plier les pattes. Alors vous pliez déjà tout en haut, pas au bout. Bah vous allez, au pire pour vous prendre de repères, vous allez tout au bout et vous levez juste un cran. Et pour en dessous, bah c'est simple, vous baissez de un cran aussi. Hop, voilà, ça fait la patte. Et donc vous clipez. Donc je plie tous. Donc alors, hop, hop et hop, voilà. Déjà pour les pattes c'est fait, il reste plus que les missiles. Donc vous les clipez, voilà, en dessous. Là vous les remontez à fond. Voyez quand même que ça fait assez grand, franchement, mais sur la boîte je pensais que c'était beaucoup plus petit, voilà. Bon, franchement, c'est assez grand. Bon, après, le prix est un petit peu cher pour ce que c'est, mais bon, vu que c'est un set 2014 qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, hein, bah, c'est normal que ce soit encore un peu cher. Bon, après, ça va, c'est raisonnable au niveau des clones et des nouveaux blasters que je vais vous présenter après. Et donc, là, on arrive au missile, ce qui va presque conclure la vidéo. Il ne restera plus qu'à présenter les persos. C'est les persos qui m'ont le plus touché hein, pour ce set. Hein. Il n'y aura pas eu le perso, je pense pas que j'aurais pris ce set. Hein. Vous voyez, donc vous mettez dans le même sens. Voilà. Donc, si vous mettez un dans pas le bon sens, voilà. Vous le mettez en rond en fait. Et ça marche assez bien, voilà, c'est bien aussi, il est normal. Hein. Bon, celui-là il est loin. Et voilà. Donc, des missiles en bout, une fois une en bouteille rouge. Bon, transparent. J'aime beaucoup cette pièce. En plus, j'en ai pas eu beaucoup. Là, j'en ai eu pas mal avec le set Ninjago, là, Overborg Attack. Et j'en ai eu aussi juste une seule dans le jeu de société Lego Star Wars. Harry Potter, voilà.
Et donc, je pense la partie que vous attendez le plus, les clones. Donc, nous avons 4, sachant qu'il y en a dans ces 4 clones, on a deux fois les mêmes. Voilà, on a deux fois ceux-là et deux fois les aéroportés. Voilà. Donc, des clones à Cody. Hein. Alors, on va commencer déjà par. Celui qu'on connaît le plus, hein, je pense. Donc c'est celui-là. Donc très très beau casque. Hein. Donc on peut voir les bandes de Cody. Hein. Donc sa couleur orange. Des petits habits murs. Habits murs, je sais que ça n'existe pas, mais des rayures, on va dire. Voilà. La tête, c'est la même pour les quatre. Hein, donc une tête qui revient assez souvent à la fin de 2013 et maintenant du coup 2014. L'imprimé du corps est assez beau, c'est un peu pareil que le casque, il est abîmé, donc il est orange, voilà. Le bas est imprimé, donc c'est assez classe, hein. Donc des genoux, la moitié à peu près orange, voilà, ici orange, ça va pas jusqu'au bout. Des bras tout orange, donc les deux, parce que les aéroportés, ils en ont que un. Voilà. Et l'arrière, bien sûr, en imprimé. Voilà. Et bien sûr, le nouveau blaster, qui est franchement stylé, hein, j'aime beaucoup. Par contre, faites gaffe à ne pas lancer n'importe où, puisqu'il lance très 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 loin. Voilà. Il n'est pas si puissant que ça quand même, parce que c'est des fois, ça fait pas... tomber un clone, je vais vous montrer, j'essaie de pas perdre la pièce. Wow, vache. Wow, c'est bon, j'ai repéré. Voilà, c'est bon. Vous voyez que ça lance assez loin, il a rebondi contre le mur et il est tombé de ma table. Donc vous voyez, donc j'ai pas eu un clone, hein, j'ai mal visé. Voilà. Donc alors, en fait, c'est tout simple. Alors, ce qui est donné dans le set. J'arrive à l'enlever. Mince. Voilà. Ah, donc, il y a eu du temps. Donc alors, dans le set, c'est vendu avec un blaster normal. Et une toute petite pièce qui va faire l'objet de lance, bah, pour lancer la pièce, et une fois une bleue, voilà, bah turquoise plutôt, parce que c'est vraiment bleu. Et donc vous mettez ça, alors que je me trompe pas, voilà, c'est ça, dans le petit trou qu'il y a là. Vous mettez la petite pièce une fois une, voilà, ici, et donc vous voyez que ça se lève ici, vous vous appuyez. Bon, je peux, voilà, j'ai mis ma main. Donc c'est pas mal puisque vous avez pas mal de pièces une fois une. Alors moi dans mon set j'en ai eu 11. Normalement il y en a 10 mais vu qu'il y a des pièces de rechange j'en ai eu 11. Donc après je sais pas si ça différencie des autres sets. Bah, des autres sets de plusieurs personnes. Donc voilà pour les deux clones. Donc celui-là c'est exactement le même donc je peux vous le représenter. Et donc mes premiers clones aéroportés. Bah, je pense que c'est ça, hein, ou Airborne en anglais. Donc alors, un casque tout simplement splendide, hein, franchement. Donc des yeux presque tout de long. Hein. Deux petits traits pour rappeler qu'il est à l'heure de Cody. C'est abîmé encore, voilà, pour celui-là. Ici, un petit orange. Des trucs de respiration. Et à côté, bah, sur le côté, des ventilations, voilà. À l'arrière, il n'y a rien de spécial. Des petits trucs, voilà, des petits décors. Franchement, ce casque est vraiment amazing, comme diraient les Anglais. Voilà. La tête, bon, je vous ai dit, ça je ne change pas pour les quatre. L'imprimé du corps est vraiment incroyable. Hein. Il est vraiment beau. Alors, il a une petite sacoche qu'on trouve à l'arrière, voilà. Ici, on a une petite ceinture aussi. Donc on retrouve un peu la même chose, voilà, deux bandes pour rappeler qu'il y a Cody. Une petite jupette grise, donc c'est vraiment classe. Hein. Et donc les imprimés
du bas. Donc il a un genou blanc, un genou orange et deux traits encore qui rappellent qu'il a connu. Et c'est pareil pour les bras, sauf que c'est pas du même côté, qu'il a un bras orange et un bras blanc. Qui donne vraiment. Bon. C'est un petit truc qui fait vraiment tout, quoi. Voilà, pour ce clone. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette live construction vous aura plu. Donc, j'avais annoncé depuis un petit moment, depuis. J'ai acheté ce week-end. Donc, c'était encore les vacances. Donc, je vous rappelle, à 16,99 à Kingsway. 17 € en gros, quoi. Alors, par contre, je n'en sais rien si ça change. Si ça change dans d'autres magasins, j'espère qu'il est pas trop moins cher ailleurs, parce que je suis un peu dégoûtée. Bon, après, ça va, j'ai eu pas mal de clones comme eux. Moi qui voulais faire une collection, voilà. Et donc, le crabe, je vais remettre ses missiles. Je sais pas vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que c'est, hein, si vous savez. Voilà. Donc, ouais, dites-moi dans les commentaires ce que c'est, si c'est un crabe, je sais pas. Je sais juste que cette scène-là arrive dans l'épisode 3 de Star Wars. Donc, la revanche des Sith. Donc, c'est quand Obi-Wan Kenobi se bat contre Grievous et qu'en fait il le poursuit. On voit pas cette scène, mais bon, on sait très bien que ça se passe ici, puisque d'ailleurs, c'est là. Où Palpatine dit au clone de tuer les Jedi, donc l'Ordre 66. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Rejoignez ma page Facebook pour me suivre un peu plus près. Donc, par exemple, vous aurez été averti que j'allais faire voilà, cette live construction. Bon, là, je l'ai annoncé en vidéo, hein, puisque voilà. J'avais fait une vidéo pour vous annoncer qu'il y aurait une live construction. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner, bien sûr. Donc, abonnez-vous aussi à GG Kenobi, Tom 24 Productions, Starfishman, donc c'est un petit peu tous ceux que je suis abonné. Michael MJF aussi, bon, c'est en anglais, mais bon, j'aime beaucoup ces custom, bah, ces vidéos, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, Solid Bricks Studios aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez qu'à regarder mes abonnements, sinon c'est jamais pas en privé, parce que ça. Bah, je préfère que vous voyez, voilà. Donc, regardez mes abonnements. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de mes potes. Donc, il y a Maël Magie, Maël Roux, donc c'est la même chaîne, sauf que. Bah, c'est la même personne qui s'occupe des deux chaînes. Mais c'est différencié, voilà. Il y a Thibaut Chaplin, Aim Fierzo PS3. Raphaël Hamon, et puis voilà, tous les autres. Allez, salut!